Comment ça? Hakimi envisage de descendre les otages? Mais ce n'est pas possible. Ils exigent 100 000 euros pour les libérer. Mais attendez, c'est pas des joueurs de foot là. On est pas au PSG. C'est plus de l'eau pour faire des picochets, c'est du champagne pour faire la teuf. Mais bon, faites-leur le chèque quand même. On trouvera un truc pour renflouer les caisses. On augmentera l'essence par exemple, ça marche bien ça. Et les Français ils verront que du feu. Bon, allez, bonne journée. Au revoir. Autorisation de missiles nucléaires à l'Iran. Accordé. Droit de vote pour les enfants de moins de 10 ans. Oh, accordé. Me racheter des lunettes. Accordé. Allô, je suis le président, oh oh oh, et c'est pas Nicolas, oh oh oh. Oh, oh, oh. Quel feu d'artifice, oh 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 oh. Mince, mon courrier est tout sale. On dira que c'est un écolo qui a écrit. Un petit gâteau. Oh, mais fallait pas. Vous savez, je mange déjà des bons gâteaux de votre femme. Et le cul qui va avec. Mmh, ils sont vraiment très bons. C'est génial. Oh bah mince, j'ai mis plein de partout. Oh bah. Ah, j'en connais une qui va faire la gueule en rentrant. Du courrier, monsieur le président. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Cher monsieur le président, je m'appelle Fabien. Je vous adresse ce courrier pour vous demander une faveur. J'ai trois amis dont les orientations sexuelles sont diverses et variées, et j'aimerais savoir si vous pouviez leur accorder le droit de mariage. Salut, je suis curé. Je viens chercher ma meuf. Elle est en maternelle et elle va passer en CP l'année prochaine. On essaie d'avoir un gosse pour l'instant, mais ça marche pas. Mais on envisage de se marier. C'est possible? Salut, je suis fossoyeur. J'aime bien les morts et en particulier ceux qui sont en bon état. Je voudrais savoir, est-ce que je peux me marier avec? Salut, moi j'adore les animaux, et en particulier mon cochon d'Inde. Est-ce que je pourrais me marier avec lui? Cher monsieur, je m'occuperai de votre requête après avoir clôturé l'affaire des droits de vote pour les étrangers. Sur ce, bonne journée à vous monsieur. Au revoir.
Bonjour. Tu fais quoi? C'est affreux. C'est moche. T'as mis des mises partout sur la table, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça va, Nico? Bonjour. On dirait un président. Ah ouais, quel président ? Salut. Alors moi, je suis curé à l'église de mes couilles. Non, vas-y, coupe.